Il avance fort. Monique a toujours été fragile psychologiquement. Oh, mais ça me fait de la peine qu'elle parte pour l'hôpital. Et moi, ça me soulage. Je commence à en avoir jusque-là de cette histoire-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand m'installant ici, je voulais la paix. Là, je me retrouve avec une demi-famille qui veut rien savoir de moi, puis une mère qui a eu une vie de misère. Mais je comprends pas. Bertrand et Diane t'ont reçu à souper. Ouais, c'était une belle tentative, là, je l'apprécie. Mais une fois ma mère ailleurs, t'aurais plus besoin de forcer les choses. Je force rien. On est devenus des amis, non? Le seul lien qu'on a, c'est notre volonté de retrouver notre père. Puis comme ça m'intéresse de moins en moins. Tu t'en vas. Je te remercie pour tout ce que t'as fait pour ma mère. Puis inquiète-toi pas, là, je vais rembourser la tienne pour l'infirmière privée. Je suis pas inquiète de ça. C'est toi qui m'inquiète. Léna, j'ai vécu des grosses affaires dans les dernières années, là. Je vais juste respirer un peu. Tu m'en veux de pas avoir appelé la police pour le vol du fusil. C'est tout ça. Je me débat pour retrouver mon père biologique quand ma propre mère me reconnaît même pas. C'est ridicule. Vouloir retrouver notre père, il n'y a rien de ridicule là-dedans. T'es enceinte, là. Pourquoi tu focuses pas là-dessus au lieu de fouiller dans le passé? Un passé complètement fucké qui a rien de bon à nous apporter. Toutes les familles ont des histoires fuckées, oui. Mais moi, j'ai pas besoin d'en rajouter. OK? Ça va aller? Oui, oui, ça va aller. Ben, disons que ça va aller mieux quand tout ça va être réglé. Diane, on va s'en sortir. À l'automne, on n'en parlera même plus. Ah oui. Viens. Diane. Je vais suivre une thérapie. Je te le promets, j'aurai pu.